Voilà, bien donc là, on attend le départ, le rassemblement des enfants pour le départ de la deuxième semaine de la glisse, des activités plein air neige. Donc bien évidemment, on a dû changer notre fusil d'épaule puisqu'on n'a pas d'activité ski, mais on a des tas d'activités nature où les enfants, déjà la semaine dernière, se sont beaucoup amusés, ont beaucoup profité. En plus, là, ils ont un temps magnifique. J'étais là en fait pour montrer aux parents qu'on a, on a commandé des tours de cou avec masque intégré de catégorie 1, je précise, qu'on va remettre aux enfants dont ils vont pouvoir profiter toute la semaine, qui nous rendront en fin de semaine. Ce qui fait qu'ils sont à la fois en sécurité et plus confortables que d'avoir toute une série de choses, tours de cou, bonnet, etc. Les raquettes, ça va nous permettre, on va avoir des grands pieds, si vous nous évitez de trop s'enfoncer dans la neige. Et puis sous les raquettes, regardez, qu'est-ce qu'on a là? Aujourd'hui, c'est nature. En fait, l'idée là, c'est de voir un petit peu toutes les traces animaux, tout ce qui se trouve dans la forêt, dans la montagne, avec la neige ou pas. Ce qu'il faut faire attention quand on est en montagne. Voilà, tout au long de la semaine, c'est des activités avec des raquettes aux pieds, de l'égout, du biathlon laser, voilà, plein de choses autour de la montagne pour découvrir qu'on peut faire autre chose que du ski en montagne. Voilà. Là, aujourd'hui, on est à 36 enfants sur trois groupes différents répartis par tranche d'âge. Et du coup, les niveaux vont être un peu différents et ils vont voir plein de choses différentes. Les animateurs, ils sont 4 aujourd'hui. Donc 4 aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir sur un gros groupe 2 animateurs. Sur chaque groupe, un animateur et moi qui tourne sur tous les groupes.